Oh bien le bonjour YouTube, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo sur Last Day on Earth. Et avant toute chose, je suis sur l'ancienne version du jeu parce que je vous recorde cette vidéo. La mise à jour n'est pas encore sortie sur iOS avec la neige, etc. Je peux pas prévenir. Qu'on me le dise pas dans les commentaires. Oui, mais pourquoi t'as pas la mise à jour? J'ai pas la mise à jour parce que je suis sur iOS, malheureusement. J'attends qu'elle arrive parce que j'ai envie d'avoir les cadeaux de Noël sur mon compte, ça pourrait être giga cool. Et voilà, vous l'avez vu dans le titre. Je vais vous montrer quelque chose simplement, c'est que actuellement, voilà, déjà on va faire simple. Actuellement, les skins du Chopper, le Chopper était modifié en quelque sorte. Les skins de Chopper ressemblent à ça pour le moment. C'est dégueulasse. Genre notamment le motif crâne que vous voyez au milieu, qui était giga bien avant, qui maintenant est il pue la merde. Voilà, on va pas se le cacher. Il y a le motif flotteur qui est là-haut, qui est assez ok. Le motif militaire qui est naze. Le motif militaire, il est naze. Le motif léopard, par contre, le motif léopard est un des plus cools de la mise à jour, je trouve. Parce que même le motif chaton, qui était mon préféré avant, bah maintenant il est naze. Je trouve clairement naze. Et voilà. Le motif flamme, il est ok tiers. Le motif Noël, il est nul. Le motif Halloween, il est marrant et vite fait. Mais voilà. Le motif léopard reste le seul vraiment potable, je trouve, dans cette mise à jour. Mais on a une image qui a été partagée par les développeurs. Je sais pas si vous avez... Je pense que vous l'avez vu passer. Voici à quoi vont ressembler les skins de Chopper par la suite. Voilà, donc il y aura une mise à jour là-dessus. Et donc on devrait avoir également des nouveaux motifs Chopper. Et ça, c'est plutôt cool. D'ailleurs, vous voyez que le motif léopard reste assez stylé, assez cool, dans un petit style assez kéké, etc. Mais... regardez également, on a un motif vert qui est ici qu'on n'avait pas avant dans le jeu. On a un motif rose tout là-bas, tout en haut. Je pense que c'est le motif chaton. En dessous, c'est le motif d'Halloween, je pense, l'orange. Après, il y a le motif tout en haut à droite, le motif marron. Je sais pas exactement ce que c'est. Le motif vert, je pense que... enfin, le vert, vert kaki, je pense que c'est le militaire. Le motif flamme tout à droite qui est assez stylé. Le motif d'Halloween, par contre, le motif d'Halloween en violet. Je sais pas ce que vous en pensez, mais il est giga, giga beau. Et je me tâte à attendre et à me dire, bah tiens, le motif d'Halloween il est vraiment stylé, parce que je trouve que le motif d'Halloween d'avant était bof, donc là depuis la mise à jour il était dégueulasse. Mais là en vrai, le motif violet il est assez stylé, et également espèce de motif multicolore que je trouve assez stylé, on dirait un jouet pour enfants. Je sais pas ce que vous en pensez, je trouve giga stylé, c'est mon avis, mais je trouve giga stylé, je suis en mode c'est trop cool, on dirait une moto pour enfants. Donc voilà, je trouve assez stylé. Et après, il y a le motif léopard évidemment qui reste assez stylé. Et le vert également. Le vert, il fait vraiment beau, il fait vraiment moche. Et ça, j'aime, ça, j'aime, ça, j'aime. Mais en vrai, peut-être nouveau motif Chopper. Avec ce truc là, multicolore et tout. D'ailleurs, il est multicolore partout. À la fois sur le garde-boue avant, sur l'espèce de réservoir. Et également, il y a un peu de couleur au niveau des bagages, etc. Donc plutôt stylé, je suis clairement hypé par ça. Il y a aussi le, d'ailleurs je vous ai pas dit, mais il y a le motif America, le motif bleu du coup au milieu, qui était le motif, vous savez que le motif là vous avez tout le temps quand vous avez le bunker, faire ouvrir des caisses vertes ou des caisses jaunes, il est tout le temps dedans. Je pense que personne l'a mis, je rappelle peut-être que les personnes qui l'ont mis, c'est ceux qui ont eu, ils viennent d'avoir le Chopper, ils veulent mettre un motif dessus, ils mettent celui-là ou le motif flotteur et voilà. Mais en vrai, le motif léopard, je trouve, est le plus stylé. De toute manière, c'est un des motifs les plus stylés de cette mise à jour avec les nouveaux Chopper. Et voilà, bref, je vais vous enlever ça. On va aller sur le jeu et vous savez qu'est-ce qu'on va faire? Je crois que vraiment j'ai assez pour poser le motif léopard. Donc on va aller poser le motif léopard sur le Chopper. Après, on va aller se faire un raid tout simplement. Et voilà, donc il faut que je regarde qu'est-ce qu'il faut. J'ai déjà envie que la mise à jour arrive parce que j'ai envie de faire le sapin dans ma base. Parce qu'au moment où cette vidéo sortira, je vous ai déjà record la mise à jour sur Android. Donc vous aurez vu la mise à jour sur Android, etc. Je vous aurais pas laissé dans la pénombre. Et voilà, alors attendez, où est-ce qu'il faut aller? Il faut aller là. Pour voir le léopard, il faut 10 noirs, 10 jaunes et 15 rouges. Ok, 10 noirs, 10 jaunes, 15 rouges. Normalement ça passe. Normalement je vais avoir ce qu'il faut, je pense. En noir j'ai ce qu'il faut, c'est sûr. Peut-être qu'en rouge ça va coincer. Non, j'ai ce qu'il faut. Ah, j'ai pas les jaunes et j'en ai pas dans la messagerie. Pourquoi est-ce qu'à chaque fois que je fais des vidéos comme ça, genre c'était pareil pour la mise à jour sur Android, j'ai tenté des trucs et c'est pas passé. Bon bah, on va aller faire le raid. J'en veux plus en fait, à chaque fois je fais ça, à chaque fois je me dis tiens je vais faire une vidéo et tout. Je vais faire la vidéo, je prépare plus ou moins la vidéo parce que j'avais ouvert tous mes motifs exprès pour pouvoir poser le motif léopard et j'ai pas ce qu'il faut en termes de peinture. J'ai pas eu tout ce qu'il faut. Eh, le motif flotteur est assez sympa en vrai. Hein. Bon, le captain il est moche. Captain il est moche.
Le crâne, j'en parle même pas. Le crâne, j'ai même pas envie de. Voilà, tellement il est naze. Le halo... En fait, le problème du Halloween, c'est qu'on le voit pas du dessus. Qu'en général, on a le chopper du dessus et qu'on va pas le voir du coup. Ça, c'est assez dommage. Et le motif Noël, en vrai, bon. Puis 5 peintures blanches pour ça, je préfère faire une malle. Mais le flotteur est assez sympa. Et le captain aussi, vu qu'on le voit du dessus. Et le. Bon, bah. Léopard, dans une prochaine vidéo, je suis totalement dégoûté. Je suis presque désolé en fait. Ah bah non, on va aller raid avec ça. On va aller raid avec ça parce que si j'y vais avec la moto de police, d'ailleurs dans ma tête j'étais prêt. Dans ma tête j'étais prêt, je me dis on va raid avec la moto de police, ça va être giga cool. Mais comme j'ai que 4 places et que bah je préfère garder la moto tout terrain simplement. D'ailleurs si j'ai pas de bêtises, la moto tout terrain s'arrête au level 4 je crois. Attention c'est bien je crois. Donc à vérifier. Mais ça voudrait dire qu'on pourrait faire assez rapidement la moto militaire et ensuite la moto de police. Par la suite, bref, on est parti, on va aller sur le raid. Alors le raid il est pas ouf, je vous avoue que j'ai raidé sur YouTube comme d'hab. Il est ok. C'est un raid sympa mais clairement de toute façon, de mon point de vue dans le jeu, pour qu'un raid soit ouf, il faut qu'il y ait genre 20 peintures blanches minimum. Parce que genre une ou deux peintures blanches c'est ok, mais ça se fait sur une boîte, sur une caisse de pas de largage, n'importe quoi. Sur une caisse à disquette. Donc c'est pas ouf. Mais voilà, donc pour moi, pour qu'un raid soit vraiment ouf, il faut qu'il y ait 20 peintures blanches, 200 tickets jaunes, enfin voilà quoi. C'est le bon gros raid des familles. Sinon après bah pff, c'est un raid comme un autre. Là il y a des armes à feu. D'ailleurs le mec s'appelle Veiny Lovegun. Donc on s'attend à avoir des armes à feu évidemment, vu qu'apparemment il aime les armes à feu. Peut-être qu'il les aime au point de toutes les défoncer, mais on espère évidemment trouver des armes à feu vu que le mec s'appelle Veiny Lovegun. Donc techniquement il est censé aimer les flingues. Voilà, donc on a déjà évidemment les petits problèmes de D5 qui n'ont pas changé. Le problème de D5 c'est toujours là. C'est, on sait jamais, ça sera patché un jour. Donc on va y aller petit C4 histoire de défoncer. Parce que j'ai pas le choix, je suis obligé de défoncer pour pouvoir rentrer dans la base. Donc on a une tourelle, on a... Ouais bah déjà on a une M16 et je crois voir un mode de lunettes dessus. Pas de truc mais il y a un mode plutôt cool, ok à voir. Et là... Ah ça je l'avais pas vu. Ok, allez on va péter ici. Donne moi un truc bien s'il te plaît. What? Alors attendez, en fait j'ai pas vu tout ça. Ça c'était pas sur la vidéo. Attendez. What? Alors vous savez quoi, je vais sortir de là. Je vais vous faire une mini coupure. Attends excuse moi. Vas-y tape moi merde. Le sous de ma gueule. Je vais faire une mini coupure dans la vidéo. Et en fait, oh j'aurais pas dû sortir, j'aurais dû rester sur place et bouffer. Je vais vous faire une mini coupure et je vais aller voir sur YouTube parce que j'avais pas vu cette salle. Bref, je reviens Oh non pas le marchand. J'espère pas l'avoir pour les quêtes. Ok 41 minutes je pourrais peut-être le faire après. Bref. Mini coupure, je reviens tout de suite. Nous avons un petit problème. En fait, il n'y a pas grand monde qui est passé par là. J'ai regardé les vidéos, j'ai regardé plein de vidéos. Je crois qu'il y a genre 5-6 vidéos là-dessus. Ok. Non. What? C'est quoi ce gigabug? Bref, en gros. Non, mais c'est n'importe quoi, ça devient n'importe quoi ce jeu en fait. Pourquoi je me fais attaquer comme ça? Il y a plein de raids, de gens qui l'ont raid, mais en fait, oh il y a un générateur ici. Il y a plein de gens qui l'ont raid, bon, ça me gave. Il y a plein de gens qui l'ont raid, mais il n'y a pas grand monde qui est passé par en haut et qui a fait du coup les salles du haut. La plupart des gens ont fait par le bas parce qu'en fait il y a genre 2-3 armes à feu, mais full défoncé, qui ont zéro vie. Il n'y a pas grand monde qui est passé par le haut pour le raid. Donc simplement il n'y a pas beaucoup de vidéos là-dessus, donc bah on va tenter des trucs. J'ai pas compris comment ça se fait que la vague a spawn là comme ça et direct sur moi et que même avec le bouton c'est n'importe quoi. Laisse tomber quoi. C'est archi n'importe quoi ce jeu. C'est pas du tout normal. Bon, on va passons. Donc je sais plus à combien de bruit je suis et je pense qu'en fait simplement bah, je suis rentré dans la zone, ça a fait du bruit parce que bah, je suis arrivé dans la zone. Merci, ça c'est cool. Je pense que ça a fait du bruit quand je suis entré dans la zone. Du coup le jeu s'est dit bah tiens on va te mettre les zombies vont spawn sur toi directement. Parce que voilà. Donc il y a quoi dans le recycleur? Je crois qu'il y a... Ok il y a deux trucs. Alors bref, on va péter on va essayer de tout péter. Je suis à combien de bruit du coup? Quoi, je suis à 60 de bruit?
Attends, ça fait autant de bruit que ça de sortir et d'entrer de la zone? Ok, une peinture blanche. C'est pas ouf une peinture blanche. C'est toujours une peinture blanche de... Et il y a de la jaune. D'ailleurs, bah il y a de la jaune, voilà, nickel. Donc je pourrais faire le motif léopard. Une peinture blanche, c'est pas ouf, mais ça fait toujours plaisir. Ah, attendez, on va tout péter. Ok, ça s'échange. D'ailleurs, regardez, hop, qu'est-ce qu'on va faire? On va péter ça parce que dedans il y a de l'aluminium. Voilà, c'est plutôt cool. Et j'avoue, je suis totalement dégoûté par ce qui s'est passé là dans le jeu en fait. C'est giga chiant. Hop, excusez-moi. Et ouais, je vous ai brain. Et ouais, mon gars, qu'est-ce que tu vas faire? Ah, laissez-moi passer. Ouais, alors très bizarre hein, comme raid. Hein. Très bizarre, je m'attendais même pas à trouver de la peinture blanche en plus dedans. Ici je sais juste quels coffres sont les bons plus ou moins. Mais comme j'ai dit en fait il n'y a pas grand monde qui arrête. Du coup bah voir tous les coffres là dedans bah un peu dommage. Et j'aurais jamais dû sortir de la zone en fait. J'aurais pas dû sortir de la zone simplement. Mais je crois que j'ai dû gagner genre 30 de bruit juste en sortant et en rentrant de la zone. Ce qui est totalement abusé en fait. Ce qui est totalement abusé. On commence à me casser les bonbons les raids sur Last Day. Ça commence à me saouler. Bah peinture blanche, on va mettre ça, on va mettre ça, on va mettre ça et on repassera pour le reste. Donc il faut que je trouve du loot à mettre dedans, comme ça j'ai pas besoin de revenir au chopper et tout, ça m'arrangerait. Et il va falloir que je me balade avec le big one jusqu'à la cage à chien, c'est impossible, jamais j'arrive à faire ce que je veux faire avec le big one. Alors attendez, il faut que je pète ça, il faut que je pète celui-là, ah non c'est pas celui-là, c'est celui-là qu'il faut que je pète. C'est celui-là qu'il faut que je pète, je me suis gouré. My bad. Ok, parce que voilà. Il y a des trucs cool dans celui-là, on va aller poser ça au chopper directement. Et ensuite bah, je vais pouvoir péter. En fait le problème c'est que je pourrais pas emmener le big one à la cage à chien. Parce que la cage à chien elle est là, il faudrait que je fasse péter un mur. Mais j'ai plus de C4 sur moi, malheureusement. Et comme on peut pas arrêter de C4, bah voilà quoi. Donc ça va être un peu galère d'amener le big one à la cage à chien vu qu'il va respawn sur ma gueule. Je vais tenter à péter un mur là en vrai pour passer. Vas-y, on ira tenter des trucs. Vu que ça peut être un gros raid, on ira tenter. Alors, on va mettre ça là, et voilà. Donc ouais, j'ai pas compris comment ça se fait que j'ai fait autant de bruit en sortant et en re-rentrant de la zone. Alors ça, normalement, ça fait pas de bruit quand on pète. Ok, ça fait un de bruit pour... Okay. L'arme, elle a un PV, génial. Alors, heureusement qu'il y a la peinture blanche, parce que sinon, le raid laisse tomber, quoi. Le raid, il pue ses grands morts. 3, ok. 1, 2, 3, ok. Alors, est-ce qu'il me reste des hachettes normales? Il me reste des hachettes normales. Donc, 1, 2, et 3. 1, 2, 3. Ok, ça s'est cassé, donc on va passer sur hachette normale. Il faut que deux coups. 1, 2, 1. 2, ok, comptez avec moi, comptez tous ensemble dans la salle. 1, 2, ok, par quoi est-ce qu'on commence? Bah vous savez quoi, on va commencer par ces deux là. C'est quoi, je vais tout péter en fait, on va tout péter, on va pas s'emmerder, on va tout péter. Et je vais venir petit à petit chercher à chaque fois le loot, et voilà. Hop, allez, petite tortue. Hop. Et ouais, je passe à travers le mur. Où est la cage à chien? Alors je vais essayer de buter les abominations toxiques en premier, évidemment. Et après on ira s'occuper du gros. Alors attendez, il faut que je me cale bien. Non, t'as pas le droit de faire ça. Pas comme ça, d'accord. Est-ce que tu peux spawn sur moi, s'il te plaît? Hop, on va essayer de le ramener là-dedans, mais en vrai, je pense pas que ça va faire une diff. On va mettre ça là. What? Qu'est-ce qu'il fout à faire des tours comme ça? Il faisait pas ça avant. Quoi le délire? Ok. J'en ai rien à foutre, je m'inquiète. On va tenter d'aller loot. Ok.
Hop, j'ai pas regardé, j'ai cliqué sur tout prendre, simplement, et on va se barrer. Parce que je me suis totalement fait voler mon raid, on va se barrer. Nania, il y a une peinture blanche, c'est giga rare, donc dans tous les cas, le raid, il est worth, il vaut totalement le coup. Une boîte, qu'est-ce qu'on a ramassé du coup? En vrai, c'est pas dégueu, à part ça, qui est naze, à part les ampoules qui sont nazes. En vrai, je pourrais même tenter de dire. Ouais, il va faire trop mal. On a quand même rapporté des piles qui peuvent donner du cuivre. On a rapporté ça qui est plutôt cool à échanger. Le plastique également, la colle pour les modes d'armes. Et voilà. Bah, c'est pas ouf, mais en vrai, ça fait plaisir. Ça pour avoir des composants électroniques. En vrai, ça va. Plus la peinture blanche qu'on avait dans le chopper. En vrai, ça va largement. Alors attendez, il va falloir que. Ok. Bon. Le raid était pas ouf, mais il valait clairement le coup vu qu'il y avait une peinture blanche et qu'il y avait de l'acier et de l'aluminium, etc. Donc, bref. Pour moi, le raid vaut le coup. Il était pas ouf. Il aurait pu être mieux. Et je suis deck de m'être fait avoir par des vieux bugs comme ça du jeu. Mais bon, au moins, on saura qu'il faut que j'arrête de sortir et de rentrer de la zone. Et voilà. Bref, YouTube, je vous laisse là-dessus. Je vous dis à la prochaine. J'espère que la vidéo vous aura plu. J'espère avoir pu vous aider parce que, évidemment, il n'y avait pas de vidéo trop là-dessus sur les coffres du haut. Et c'est assez dommage. Et même moi, j'ai pas pu vraiment aider parce que j'ai pas pu faire tous les coffres. Ça me dégoûte un peu. Mais bon, on fait avec. Bref, je vous dis à la prochaine. Passez une bonne journée ou une bonne soirée. Amusez-vous bien. Salut, salut.